Bonjour à vous tous, grands et petits. Alors, jour de mathématiques aujourd'hui. Donc, vous allez réfléchir à une nouvelle leçon. Bon travail, les enfants. Vous allez commencer par entraîner votre mémoire. Vous lisez la table d'addition. Puis ensuite, vous essaierez de faire les exercices avant de voir la réponse, bien sûr. Il ne faut pas tricher. Hé, hey, petit frère, je n'arrive pas à m'endormir. Et si on comptait les bulles? Bonne idée. 3, 4, 5. On va jamais y arriver, il n'y en a pas assez. Tu as raison. On veut plus de bulles, s'il te plaît. Ouais! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, j'arrive plus à suivre. 17, 18, 20, 25, 27, 29. Arrêtez! Mais ne t'énerve pas, petit frère. On reprend tout. Là. Maintenant, on peut compter les bulles tranquillement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça fait combien au total? T'as qu'à les additionner, grand frère. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 font... 20... 3? Non, c'est pas ça. 25. 26. Non! 24! On a trouvé! On a trouvé! Bonne réponse! Quand il y a trop de bulles à additionner, on peut facilement se tromper. Mais il existe un autre moyen pour les compter. Un robot fait 4 bulles d'un coup. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 robots. Donc, pour un robot, on a 4 bulles. Pour 2, on a 8 bulles. Pour 3, 12 bulles. C'est super facile de compter les bulles comme ça. 4 robots font 16 bulles d'un coup, 5 font 20 et 6 font... 24! Oui! 6 robots qui créent 4 bulles chacun font 24 bulles. On dit 6 fois 4 font 24. 6 fois 4 ou 6 que multiplie 4 font 24. On appelle cette opération la multiplication. On utilise la multiplication pour compter plus vite. Au lieu de compter 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 égale 24, on compte 6 fois 4 égale 24. Moi, j'ai plus du tout sommeil. Hé, petit frère, moi je compte les bleus, toi les vertes. Hé, si on met 4 robots qui font 6 bulles, ça fait le même nombre de bulles? On voit ça la nuit prochaine? Voilà, tu as terminé. Bravo, bravo à vous tous. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à travailler sur votre cahier. Vous collez la leçon et vous faites tous ensemble l'exercice. Ensuite, vous le collez sur votre cahier ou vous le recopiez. Voilà, je vous embrasse bien fort les enfants. À une autre fois.